À l'occasion de la sortie de son livre « Les matchs de ma vie », l'ancien international français Bruno Bellone s'est confié aux Parisiens. Dans cet ouvrage, l'ex-attaquant de l'AS Cannes et de Monaco révèle notamment une incroyable anecdote sur la mort de la princesse Grace de Monaco. « Je l'avais rencontrée quelque temps auparavant, c'était une vraie star et un jour je suis rentrée chez moi. Mes draps étendus dehors étaient noirs et il y avait des traces d'accident dans mon jardin. J'ai appris ensuite que la princesse avait eu un accident de voiture et qu'elle s'était écrasée chez moi. Elle est morte dans mon jardin », révèle-t-il aux Parisiens. Par ailleurs, le champion d'Europe 84 raconte dans son livre le calvaire qu'a été son après-carrière. Ruiné par son ancien agent, Bruno Bellone a dû compter sur la générosité de certains de ses anciens coéquipiers, et particulièrement Jean Tigana, pour sortir la tête de l'eau. Tigana n'a jamais parlé de son geste, mais il a été vraiment le plus généreux de tous. Aujourd'hui, Bruno Bellone assure avoir tourné la page et être redevenu un homme heureux.